Yahoo, j'espère que tu vas bien. J'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de Ten Je ne sais pas du tout comment ça se dit. J'ai pas eu l'idée de regarder sur Google Trad. Toujours été, nous sommes sur une série qui est terminée en 6 tomes des éditions Taifu. Nous sommes dans le genre. Alors, il n'y a pas vraiment de genre officiel de classer sur le site Manga News. Mais je te dirais que c'est dans le tranche de vie pour l'instant et maladie. Donc, je trouve ça très intéressant comme titre. Et nous sommes sur une série qui date de 2013 au Japon et de 2014 apparemment en France pour son premier tome. Le dernier tome étant sorti en 2019. Donc en ce qui concerne le mangaka, on est avec Rihito Takalai si je prononce bien. Et nous sommes sur un mangaka qui a pas mal d'autres œuvres disponibles en France. Donc je t'annonce très clairement que je vais essayer de voir déjà avec vous ce que vous allez me dire au niveau de l'avis de ce manga si vous connaissez d'autres œuvres de cet auteur pour voir justement ce que j'achète ou pas. à savoir que le jour où je filme cette vidéo, on est le lundi, toi tu la vois le vendredi. Voilà. Donc je, je vais vraiment attendre avec grande impatience tes retours pour me dire si tu as lu d'autres œuvres de cet auteur. Parce que j'ai très très envie de m'y intéresser. Et donc c'est tout en ce qui concerne le manga. Je te dis pas d'âge conseillé pour l'instant parce que pour ce premier volume... Euh, très clairement au niveau relation je te le dis direct il se passe absolument rien Donc là pour l'instant c'est du 14 mais est-ce qu'après dans les scènes des volumes suivantes il y a du 16+, j'en sais rien Donc je ne peux pas te dire d'âge réel pour l'instant Donc je tiens à te prévenir juste maintenant euh, à savoir qu'à la fin de la vidéo une fois que je te dis au revoir etc Soit tu peux couper, soit tu peux continuer, tu auras un bêtisier parce que là, je me suis vraiment bien foirée au niveau de l'intro. Toujours est-il, en ce qui concerne mon avis sur la couverture à l'avant, je la trouve plutôt sexy. Euh, parce qu'on voit le mec torse nu. Mais ça ne correspond pas spécialement à ce qu'on voit en tout cas pour le premier volume. On voit le gars avec son masque, mais honnêtement, euh, à part le dernier chapitre, on ne le voit pas du tout avec un masque. Donc, je trouve ça un petit peu mensonger au niveau du choix de l'illustration. Après, c'est vrai que c'est sexy, ça donne envie parce que voilà, le gars, on le voit quand même. Euh... Enfin, il n'est pas bien gaulé parce que je ne vais pas te dire, il n'a pas non plus les tablettes de chocolat comme mon chanteur Ravi, par exemple. Hein, c'est un peu raison. parce que <laughs> j'ai toujours lu en tête. Mais euh, voilà, euh, on le voit quand même avec sexy, avec ses gants, ça c'est logique. Le masque, pas très logique. Et euh, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aime bien parce que je me rends compte du coup de sa couleur de cheveux parce que j'ai pas fait gaffe pendant ma lecture. Voilà. Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime énormément, c'est qu'on a une phrase d'accroche, un résumé, une sorte de phrase d'accroche qui suit. Donc, c'est une phrase. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression d'être normale. Après, on a le résumé. Et MC4 et son patient à fleur de. Euh, un amour à fleur de peau. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Surtout que je crois que l'auteur a un titre qui a à peu près le même, le même nom que fleur de peau. Un truc comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le petit carnet qu'utilise justement le personnage clé de la série. Je le mets, voilà. Comme ça, tu peux même peut-être faire une pause et lire le résumé. Voilà. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve juste avec euh, des chiffres. Alors oui, il y a une logique, hein, parce que je vais te l'expliquer après, mais ça ne me parle pas spécialement. Le titre, finalement, a une logique, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'ai oublié de te dire, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait carrément des taches d'encre sur le gars, je trouve ça me... Pour l'instant, ça ne me marque pas, tu vois. Mais par contre, c'est les mêmes taches d'encre que là. Mais ça me... Là, ça me parle pas, tu vois, pour ce premier volume. Très clairement, ça ne me parle pas. Ensuite, quand on ouvre le manga, on a une sublime illustration en couleur. Je vais te la montrer ici, très clairement. Je n'ai pas envie de faire du fast-up pour ça. Voilà. Surtout que maintenant, j'ai un très bon appareil photo qui fait la mise au point tout seul. J'aurais tort de mon ne voilà, pas m'en servir. Là, il y a juste écrit 1031. Et le sommaire, tout à fait basique, et on commence directement le manga. Donc, rien de spécial à te dire. Donc, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que pour un manga de 2013, je trouve la qualité des dessins plutôt sympa. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, comme je te l'ai expliqué, on va parler d'une maladie. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Parce que. Alors, ce qui est le défaut, c'est que c'est un yaoi. Donc, forcément, tout le monde ne le lira pas. Ça, c'est vraiment un gros défaut. Mais euh, ce que j'ai apprécié, c'est justement que de temps en temps, on a aussi des yaoi qui euh, vont parler de choses intéressantes comme ça. Euh, comme je l'ai évoqué d'ailleurs dans mon live avec le youtubeur Draymar qui était du coup le week-end dernier. Si tu ne l'as pas vu, je te mets le lien en i. C'est un live, à, mon, à mes yeux, très intéressant. Et donc, du coup, là, on va parler de la misophobie. Qu'est-ce que c'est En gros, en tout cas, je n'ai pas cherché la définition exacte. Je te la mettrai dans le lien dans la barre d'infos. Mais, grosso modo, ce qu'on voit, et c'est la même chose, en fait, que le manga, d'ailleurs, Parasite amoureux, sont des gens qui n'arrivent pas à toucher des objets parce qu'ils vont considérer que c'est sale parce que d'autres personnes n'y ont touché. C'est-à-dire que le gars, là, il nous le dit, il ne peut pas aller, par exemple, dans une librairie, acheter un livre parce qu'il se dit que quelqu'un l'a peut-être touché et donc, là, ça Dégueulassé. Donc euh, ça on le voit aussi dans, dans le manga Parasite amoureux Donc c'est pour ça que je tiens à le dire Parce que si ça t'a intéressé Parasite amoureux Ça peut t'intéresser celui-ci Même si c'est pas le même genre de scénario du tout Mais voilà Et donc on suit les aventures de ce jeune homme Qui est un secrétaire d'un homme d'affaires hein. On voit très clairement que son patron Est quelqu'un d'assez... Voilà, c'est un, un businessman, hein, très clairement ça se voit. Et en fait, on va suivre donc au tout début, ils sont dans une voiture, le patron est en train de sortir, le jeune homme a apparemment vu le camion, mais il n'a pas osé tendre la main à cause de ce problème de maladie, même s'il porte des gants. Et on va voir un gars en vélo qui va intervenir, qui va protéger donc du coup le patron euh, d'un accident avec justement parce qu'il est sorti et que le camion est arrivé et ce que donc le patron se fait blesser au genou lors de l'intervention de l'homme en question et on découvre très vite dès le premier chapitre que cet homme en question euh, donc va lui dire euh, au secrétaire à l'hôpital euh, il va lui dire euh, vous avez une misophobie et je pense que votre état est assez grave donc il faudrait penser à consulter le gars il se dit t'es qui toi en fait pour me dire ça. Et euh, donc il s'échange les cartes, ça tu le vois au niveau des images du manga. Et en fait tout simplement le secrétaire va aller voir, va se rapprocher du coup de ce fameux hôpital. Euh, enfin voilà pour se faire soigner. Mais forcément tu sais ça, tu rebutes en fait d'aller dans un truc spécialisé etc. pour une maladie. Et il va tomber sur le gars en vélo. En fait il faut savoir que cet homme est tout simplement un médecin qui est spécialisé dans ce genre de maladie comme la misophobie, et donc qui va lui proposer tout simplement au lieu de rentrer dans le bâtiment, ce qui est vrai qu'il peut être très dur de rentrer dans un bâtiment officiel, il lui propose tout simplement d'aller dans un bar juste à côté et en discuter posément et calmement. Là-dessus, l'homme en question, donc le médecin, va lui proposer, va lui demander d'écrire sur son cahier 10 choses. Qui ne peut pas faire actuellement. Elle est classée de 1 à 10. Donc 10 étant la chose la plus compliquée à faire. Il va donc lui proposer tout simplement et lui dire, et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, de faire en fait au fur et à mesure, tout doucement, dans l'ordre. On peut sauter un numéro et revenir après. Donc par exemple, faire 1, 2, 3, 4, ou faire 1, 2, 4, 3. Voilà, c'est pour donner un exemple au hasard. C'est pas le même exemple du livre, j'ai fait esprit. Et donc du coup, euh, dès le premier jour, il va lui lancer la, le, le petit défi en fait de faire commencer par le 1. Parce que c'était tout simplement par exemple toucher une poignée de porte qui n'a pas des, été désinfectée. Et on va voir du coup l'évolution de ça. Pour ce qui est du premier volume, on va voir. J'avais peur en fait. Alors, considère ça comme un spoil ou pas. Je vais te dire juste le nombre d'étapes qu'il aura franchi. Je te mets le petit symbole. Du, euh, pour te dire que si tu considères ça comme un spoil ou pas. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au départ, j'ai cru qu'on allait quand même franchir trois étapes dans le volume. Et je trouvais que pour dix euh, choses qu'il ne savait pas faire, ça allait beaucoup trop vite. Même si entre l'étape 1 et l'étape 2, il y a eu une semaine. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop rapide après de me dire ils sont déjà en train d'essayer l'étape 3 au bout de deux semaines. J'ai trouvé ça vraiment très rapide et trop rapide en fait par rapport au personnage. Là où on voit aussi que le médecin lui donne quand même rendez-vous une fois par semaine et le vendredi, c'est donc son jours de repos. Donc il ne le considère pas comme un patient. Mais j'ai trouvé que ça allait trop vite en fait de passer de l'étape 1 à l'étape 3 en deux semaines. Et c'est ça qui est très intéressant justement. Parce que, en ce qui concerne le nombre d'étapes, finalement, la troisième étape ne se fera pas tout de suite. Voilà, il y a un petit problème, tu le découvriras par toi-même. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant au final, parce que sinon, je trouvais ça un peu trop rapide et un peu trop facile. Maintenant que tu es revenu, je vais aussi te dire en fait, mon avis sur le manga. J'ai trouvé ça très intéressant. Je trouve que l'idée, le concept en fait, de, faire, de se lister 10 étapes est très intéressant, même pour des personnes qui n'ont pas forcément cette maladie, mais d'autres choses. L'autisme, euh, la dépression, etc. De se mettre un objectif justement de 10 choses à faire. D'ailleurs, aujourd'hui même sur TikTok, je vais proposer ça à mes abonnés. Donc, je te le propose aussi à toi. On va tous se lister une chose de 10 choses qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, comme moi, je ne suis pas forcément très capable de parler à des gens que je ne connais pas. Je vais me mettre dans la liste, ça je le sais, aller dans une ville que je ne connais absolument pas et y aller tout seul. Voilà, parce que par exemple, quand je suis allée à Nantes en... Non, c'était en novembre. Quand je suis allée par exemple à Nantes en novembre, même si je suis allée voir ma meilleure amie, les deux premiers jours j'étais sur Nantes même. Mais il faut savoir que Nantes, je connaissais déjà deux fois ou par deux fois ou trois fois avec me... non trois fois avec mes parents. Donc en fait, les rues où je suis allée, etc., c'était quasiment que des chemins que je connaissais déjà. Donc je n'avais pas peur. Par contre, faire aller dans une ville que je ne connais pas et y aller tout seul, ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc par exemple, ça c'est une des étapes que moi je vais me lister. Donc ce que je te propose, c'est aussi de faire l'exercice avec moi. Chacun prend son rythme, chacun fait comme il peut. Une semaine, deux semaines, trois semaines entre chaque étape, peu importe. Ce que je te propose juste, c'est de faire ça, parce que justement, je sais très bien que ça te fera du bien. Et qu'une fois qu'on aura atteint tous notre objectif dixième, ben on se sentira déjà plus fort. Ce que je te conseillerais, moi personnellement, par rapport à eux, lui il ne le dit pas forcément, mais ce que je te conseillerais quand même de faire, c'est qu'au moins les deux premières étapes soient des étapes assez simples pour toi. Pourquoi Parce que tout simplement, je le sais par moi-même, parce que je suis en dépression et que j'ai déjà fait des exercices comme ça. Déjà, si tu passes les deux premières étapes... Tu te diras j'ai réussi à faire des choses Que si tu commences à te mettre 10 choses Et 10 choses vraiment très très compliquées Et que même le premier ça va être très très compliqué à faire Tu te vas automatiquement te buter et te dire Bah j'y arrive pas, donc j'y arriverai jamais, etc Donc on est l'humain, comment il fonctionne Donc voilà ce que je, moi je te propose de faire Et ce que je te conseille Donc en ce qui concerne ce manga Je pense que tu l'as compris J'ai adoré l'idée et j'ai adoré le principe J'ai adoré l'histoire, le développement des personnages Et la relation des personnages euh, je ne vais pas te mettre de note, je ne sais pas trop si je te mets une note ou pas parce que je n'aime pas sur un, un tome 1 te mettre une note, mais sache que la relation, le développement, le caractère des personnages ont déjà été pas mal développés, en tout cas pour un tome 1 sur une série en 6. Et donc je vais continuer la série et là je vais attendre juste quand même voir euh, si je trouve ou pas les mangas à acheter là tout de suite. Mais je pense que je vais quand même attendre, vu que moi le jour où je fais mon est lundi, et toi tu la vas vendredi, d'attendre d'avoir tes retours, etc. Peut-être pour faire une maxi commande ou autre. Ça a toujours été que j'ai vraiment sûr qui fait cette série et j'ai très très hâte de lire la suite et donc de t'en reparler. Mais ça ça ira très très vite, crois-moi, je vais vite t'en reparler. Toujours est-il, voilà en ce qui concerne les grandes lignes. N'hésite pas à me dire si toi justement euh, tu as une maladie en particulier, soit la misophobie, l'autisme, la dépression, autre chose. Euh, voilà, s'il y a quelque chose comme ça qui pourrait euh, ou tu pourrais justement faire une liste pour t'aider dans ton truc. Euh, par contre, je te le dis juste en tant que conseil. N'hésite pas non plus à te faire faire une. Enfin, à... Instaurer un système de récompense un peu comme qu'on éduque un chien. C'est très con, euh, très con hein, comme ça de se dire ça, mais c'est vrai que moi par exemple j'ai du mal à parler avec les gens que je ne connais pas et mon ex faisait ça en exercice sur moi. C'est-à-dire que dès que j'allais dans un magasin, on allait dans un magasin par exemple de vêtements, j'allais poser une question à un vendeur. On n'avait pas besoin de ça. Par exemple, j'allais demander où étaient des chemises blanches pour hommes, et en fait, je n'avais pas besoin d'aller m'acheter de chemises blanches, mais ça me faisait faire un exercice. Et si j'avais réussi, par exemple, j'avais droit, par exemple, à une gaufre ou un truc comme ça. Mais tu vois que tu associes du coup la réussite à un truc qui te ferait plaisir. Et même t'acheter juste un manga, un truc comme ça. Mais au moins comme ça, mentalement, déjà, ça aide aussi un peu mieux de faire aussi sur le système de l'éducation du chien. <laughs> voilà. Oui, j'étais éduqué comme un chien. Allez, est... Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, en commentant, en même partageant cette vidéo. N'oublie pas du coup de commenter soit pour me dire si tu connaissais le manga ou pas, si je t'ai donné envie de découvrir ou pas. Et aussi du coup à me dire si tu vas te lancer avec moi avec cet objectif de 10 étapes. Je te mettrai ça sur les réseaux sociaux, même en commentaires qu'on peut mettre via YouTube. Et non on peut aussi mettre des, des messages sur un espèce de mur YouTube. Je te mettrai ça aussi au fur et à mesure que j'aurai atteint certaines étapes. Et n'hésite pas donc à continuer la vidéo pour avoir droit à un petit Pétissier, Voilà, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye et on n'oublie surtout pas de sourire quoi qu'il arrive. Peace. Yahoo dibancha, <laughs> j'espère. j'espère que tu vas bien. J'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec l'extrême plaisir. Hum, mmh, ouais, non. Yahoo, <laughs> divancha, <laughs> j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo critique tome 1. Et on va parler du Yaoi Ten kont", si je prononce bien. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, tu m'excuses. Toujours est-il, en ce qui concerne ce manga, nous sommes sur un Yaoi des éditions Taifu. Nous sommes sur une série qui est terminée en 6 tomes, ouais ouais, bah ouais, il y a bien un petit 1 ici en fait, voilà. La série est donc terminée en 6 tomes, nous sommes dans le genre, alors il n'y avait pas vraiment de genre parce que sur Manga News il met toujours romance étrange de vie, romance et gay en gros. Mais je te dirais, c'est, alors, pour l'instant moi il n'y a, très clairement je te le dis, pas de romance ça encore. Hein, mais, voilà. mais on va être plus sur du tranche de vie et de la maladie Donc je trouve ça très intéressant Et, et donc c'est tout en ce qui concerne le manga Je te dis pas d'âge conseillé pour l'instant Parce que pour ce premier volume euh, Très clairement au niveau relation Je te le dis direct il se passe absolument rien Donc là pour l'instant c'est du 14 Mais est-ce qu'après dans les scènes des volumes suivantes Il y a du 16+, j'en sais rien Donc je ne peux pas te dire d'âge réel pour l'instant Voilà attendre très rapidement parce que très clairement j'ai l'air de spoil hein? j'ai l'air tout spoil là maintenant mais spoil pas tout de suite putain je me déteste